Salut à tous, Ingo, on est reparti sur Surviving Mars. Je vais laisser en mode tranquille parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire pour ceux qui suivent encore le Let's Play. Vous le voyez à l'écran déjà. J'ai joué pendant plus de 2 heures pour faire progresser la colonie et un petit peu avancer pour que ce soit plus intéressant. Ça a failli être la fin, ça a été hyper compliqué. J'ai pris deux tempêtes de poussière qui ont été catastrophiques à gérer avec les problèmes d'énergie qui allait avec. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû rajouter un dôme ici. On a besoin d'emplois clairement pour toute cette zone. Donc j'ai rajouté un dôme avec une arcologie, avec des champs. J'ai eu des gros problèmes de bouffe aussi, ce qui a fait que j'ai dû transférer ici, envoyer des capsules, etc. J'ai dû rajouter aussi des grandes éoliennes. J'ai rajouté un réacteur à fusion de ce côté-ci pour qu'on en ait deux, en plus de celui qu'on avait prévu là-bas. D'ailleurs, il y a un petit peu d'herbe qui commence à pousser, hein, comme on le voit. De ce côté-ci, j'ai dû aménager, on va dire, en catastrophe, le plus vite possible, le dôme avec une arcologie aussi, pour qu'on ait des mecs qui travaillent dans le réacteur à fusion. Ça a été super chaud. J'ai voulu aller vite en fait, et vraiment les tempêtes de poussière sont abusées quoi. Elles sont abusées. Celle-ci on va la renvoyer, tiens. Mais on en est sorti. Alors on n'est pas sorti d'affaires complètement encore. Il faut stabiliser le truc. J'ai claqué énormément de thunes. Et d'ailleurs, en termes de ressources, comme on le voit en polymère, on n'en a plus. J'ai rajouté une usine là d'ailleurs. Alors, comme on le voit ici aussi, j'ai ramené des vaporisateurs d'humidité. J'ai prévu des grands réservoirs d'eau, pardon. Je vais réussir à finir mes phrases. J'avais fini de setup là aussi, il me semble. Mais ça, c'était dans l'épisode précédent. Il y a eu plein de merde. Alors là, il y a une météorite qui est tombée dessus ici aussi. J'avais pas tout à fait vu au début. Donc j'ai dû amener Pathfinder pour qu'il répare tout. Parce que on arrivait. Il n'y avait plus que ce réservoir là qui était plein en fait. Ça nous a permis de tenir. Enfin voilà, ça a été un bordel. Sans nom. Clairement. Mais j'ai survécu. On a survécu. Donc ça fait plaisir. Et il n'y a pas trop de gars qui sont partis. Comme on le voit, on s'est quitté. On était 250 dans la colonie. On est 371 là. Donc j'ai ramené énormément de monde pour pouvoir tenir le choc. C'est là où ça a été chaud en fait par rapport à la nourriture et ça l'est toujours, hein. Falloir qu'on se méfie. Donc voilà, il y a encore plein de trucs à se construire là. Faut que ça se mette en place. Il va falloir qu'on augmente les polymères là très très vite. À ce niveau-là, par contre, ça c'est pas une mauvaise nouvelle. Une bonne nouvelle, les mauvaises récoltes là. Surtout avec ce qu'on a subi. Donc voilà, après il y a quand même des bonnes petites nouvelles, hein, c'est que ben, l'atmosphère, la température, l'eau, et là on commence à avoir un peu de végétation sur Mars. Doucement mais sûrement on terraforme. Donc ça c'est cool, d'ailleurs j'avais mis ici un site de boisement, mais pour l'instant il n'est pas encore alimenté, j'ai l'impression. Ouais, il faut qu'il soit réparé. C'est les polymères qui manquent. Donc voilà, beaucoup de choses, hein. J'ai fait beaucoup de choses, il va falloir continuer à setup. Très clairement. Ce que j'ai fait ici aussi, c'est que j'ai dégagé le grand parc, alors dans le détail un petit peu. J'ai rajouté un Institut Hawking. Pour l'instant, bah, il n'y aura pas grand monde. Hein. Il y a quelques gars qui sont suicidés et ça continue. J'espère que ça va pas être la réaction en chaîne, je pense pas. Hein. Mais voilà, c'est chaud. C'est chaud. Même, vous voyez, hein, au niveau de l'électricité, je suis très très juste. Hein. On est super juste. Tout est plein ici et. Quand je regarde sur les bâtiments, il y a encore 42 emplacements de travail libre, quoi. C'est colossal. J'ai envoyé des expéditions aussi chez nos concurrents. Je leur ai volé une trentaine de gars, je crois. Heureusement. Heureusement. Donc voilà. En gros, c'était le petit résumé. Pour vous expliquer un petit peu ce que j'avais fait. Pour faire un petit peu progresser tout ça. Ici, alors il va y avoir énormément de choses à construire. Hein. Il y a encore tous les bâtiments, j'ai prévu le centre médical aussi parce qu'on a deux arcologies. C'est quand même hyper important d'avoir un centre médical. Il nous reste un peu de place encore, mais attention parce qu'il y a vraiment du taf là pour nos drones. Donc on va y aller tranquille, on va y aller tranquille. Bon, le principal c'est qu'on ait survécu. Hein. Par contre, alors j'ai remarqué, ce qui est sûr c'est qu'au niveau de l'oxygène, il n'y a eu aucun problème quoi. Là vraiment au niveau de l'oxygène c'était top. Ce qui a posé problème, c'était clairement l'eau. L'eau ça a été une merde pas possible, donc il faut absolument qu'on arrive à stocker. Parce que quand il y a les tempêtes, plus rien ne marche. Donc c'est super tendu. Également, je vais vous montrer ça, j'ai énormément avancé sur les technologies. On en a débloqué plein.
Notamment ici, on a commencé à scanner, on a trouvé un gisement de métaux profonds. Comme on le voit, il y a 2400 dedans. Métaux rares, pardon. De métaux ici, il y en a 3000. Il y en a un autre ici. Donc en gros, je suis en train de scanner toute la carte. Hein. En scan profond. Donc là aussi, on en a un. Bon, à mon avis, celui-là, on n'est pas prêt d'y aller. On n'ira sans doute jamais, à part si on en a vraiment besoin. De toute façon, il reste tellement à exploiter là. Je me dis qu'en fait, ce jeu, on peut faire des parties, mais... vraiment monstrueuse, hein, du hyper longue quoi. Enfin bref. Bon, on a un petit problème quand même là sur les polymères. Ce qui m'embête quand même. Est-ce que là ça bosse quand même? Oh, insuffisante. Alors attendez, je vais mettre en pause juste 2 secondes, enfin ralentir au moins. Parce que là il manque clairement des dépôts de carburant. Enfin si, j'en ai mis 2 là quand même. J'ai bien envie d'en mettre un près de l'usine. J'ai prévu de faire des ranches extérieures aussi. J'ai rajouté une ferme fongique d'ailleurs là. Bon, ça a l'air de se stabiliser quand même. Il y a des gars qui bossent dans les usines, donc pas de soucis. À part dans celle-ci, mais celle-ci, c'est normal, c'est moi qui l'ai bloqué, c'est fait exprès. Tout ce qu'on avait en métaux rares, je les ai consommés pour avoir des thunes. Donc voilà, je vais vous montrer un peu les technos maintenant. Alors, on a quasiment tout débloqué, hein. Enfin, de disponible. Comme, voilà, la terraformation nucléaire, on l'avait vu, mais on a les méga satellites. Donc ça, c'est pour lancer des projets spéciaux, lancer un miroir spatial et lancer un bouclier magnétique. Diminue la perte d'atmosphère, donc c'est très intéressant. On a la biosphérisation localisée, on a toutes les grosses mines. Ça, c'est l'ascenseur spatial. On a le projet, voilà, la Mohol, la mine Mohol qui est monstrueuse. Je pense qu'on va la faire assez rapidement d'ailleurs. On va terminer un peu tout ça là. On verra. Alors, il y a la microfusion. Alors, voilà, c'est créer un soleil artificiel, hein, tout simplement. Enfin, tout simplement. C'est compliqué à faire, mais on pourra le faire. Le méga télescope, etc. Il y a plein de trucs. Hein. Fusion comportementale. Tiens, ça, je n'avais pas vu. Amélioration des sanatoriums. En place les défauts supprimés par des talents aléatoires. C'est monstrueux, ça aussi. Donc, voilà. C'est énorme, hein, tout ce qu'il y a là. En recherche. On a le temps d'avancer. Il va falloir que, d'ailleurs... C'est pour ça que j'ai rajouté le dôme ici aussi. Il va clairement falloir plus de monde de ce côté-ci parce que il faut qu'on booste encore plus la recherche là. Il faut qu'on booste plus la recherche d'ailleurs. Il faut absolument que je rajoute des appartements là. C'est ce que j'avais prévu. Je pense qu'on sera pas mal alors. Les habitants de ces dômes-là peuvent travailler ici, donc c'est parfait. Hein. Ici aussi. Tiens, d'ailleurs, il faut que je relie à l'énergie, là. Je pense que je peux le faire sur le dôme. Ça ira très bien comme ça. Mais il y a besoin de monde, il y a besoin de monde. Dans les fermes, normalement, ça bosse bien, tout ce que j'ai rajouté. Donc je suis plutôt content, je les ai mis en prix haute, hein, tellement c'était... Ça a été délicat quoi, et ça l'est toujours, hein. C'est pas énorme 300. Donc je fais gaffe, et d'ailleurs, comme on le voit, hein, en termes de béton et de métaux, c'est compliqué. Ok, le site de boisement marche. Je vais les laisser actifs la nuit. Ah, lui c'était bon. Va falloir que j'en rajoute un là, je pense. Je vais rajouter un extracteur de béton là, j'avais pas vu. Il est bien dans la zone, donc pas de problème. Impec, alors. Ouais, j'ai 6 drones là, donc c'est nickel. D'ailleurs, je vais mettre la prio haute là-dessus. Ah tiens, jalon atteint. J'ai le petit du sponsor. 2500 de recherche, on a eu. Objectif du sponsor. Ah, et quand on a construit la merveille, ça a été énorme, hein, ce que ça nous a donné. Ok, alors je sais pas trop à quoi ça correspond, mais c'est pas grave.
On a 40 000 en score. Bon, ça, je m'en fous un peu. J'ai envie de prendre plaisir, surtout sur la colonie. Ouais, donc là, du béton, il en faut plus. Il en faut plus. Est-ce que là... je crois qu'on avait tout, tout exploité, là. De ce côté-ci. Potentiellement là. Largement, même. Alors... Ok, on va mettre un cap comme ça. Du béton, du béton. Je vais rajouter un petit peu de stockage. Je vais en mettre un à côté, ça ira très bien. Et on va faire pareil ici. Ok. Normalement, il y en a un là aussi, donc c'est très bien. Voyons voir. Je vais rajouter une décharge. D'ailleurs, il va vraiment falloir que je fasse le bâtiment. ça pourrait nous aider. Augmenter le taux de natalité serait quand même excellent aussi. Où est-ce qu'il est déjà ce bâtiment? Ah oui, on peut construire des fusées sur Mars maintenant, ouais. Avec 10 colons de plus, hein, c'est monstrueux. Ça aussi, c'est monstrueux. Alors ça, je voulais le mettre également. On va sans doute le remplacer dans le dôme de science par la suite. C'est énorme. Bon, ça voudrait dire qu'il faudra retirer l'arcologie, mais d'ici là, ça va prendre du temps. Alors, je sais plus où il est. Non, ça sera pas là-dedans. Atelier robotique, nanana. Non, c'est pas ça. Ça, c'est super cool aussi, quand même. Mais ça sera quand même pour plus tard. Alors pour l'instant, on les découvre, il va falloir cette techno pour les exploiter. Peut-être avancer là-dessus. Ouais, en réalité, vous savez quoi? Je vais modifier ça en fait. Je vais plutôt prendre ça. Les nouvelles flèches, c'est génial, hein. Mais enfin, la flèche de jardin suspendu, mais j'ai besoin des arcologies en fait. Elles sont trop bien, les arcologies. En rajoutant des dômes et des habitations, ça ira mieux. Par la suite, on pourra les retirer, je pense, mais c'est pas évident quand même, hein. Alors, destruction d'émetteurs, ouais, bon, ça. Ok, je vais laisser comme ça, je regarderai un petit peu ce que je vais faire peut-être par la suite sur les technos. On va avancer. Je pense que je vais être obligé d'envoyer une navette là pour les polymères. Voyons voir. Je vais la lancer comme ça, je surveille parce que, on le voit, hein, la bouffe là, c'est toujours chaud. Et le béton aussi. Hein. Donc attention quand même. On est vraiment pas sorti d'affaire, hein, par rapport à ce qu'on a vécu. Donc ça, il faut que ça reparte. Hein. Et je sais qu'il y a énormément de taf, mais... Faut qu'on arrive à envoyer des gens. On en a de dispo. Allez, je la lance comme ça. Je pense que j'en aurai pas plus, hein. Ça a été tellement compliqué.
On va envoyer des missions de recrutement sur les colonies concurrentes. Ils ont avancé aussi. Hein. Ils ont avancé, mais je pense que c'est compliqué aussi pour eux. Hein. Ce qui me fait juste halluciner, c'est l'Europe. Je sais pas. Oh, mais SpaceX. Enfin, Y. Ils sont pas trop mal en polymère, hein, même en bouffe. Enfin, c'est énorme ce qu'ils ont l'Europe en bouffe aussi. Hein. C'est carrément énorme. Ah, ça y est, ça commence pour l'exploitation de nos cochons, nos chèvres et de nos vaches. Ça va être énorme en termes de nourriture. Ça consomme beaucoup en énergie. Mais en énergie, ça commence à être pas mal. Hein. Oh, waouh. Oh, waouh, regardez ça. Oh, ah bah voilà. Bon, bah ça... je sais déjà qu'il y aura un domicile. Hein. Oh waouh, c'est monstrueux. Là, carrément, un dôme qui va exploiter ça. Ça risque d'être compliqué de les relier, par contre. Quoique, non. En retirant celui-là... Bon, le méga centre commercial qu'on reconstruira plus tard. Oula, d'ailleurs, faut que je les réactive, lui. Je l'avais désactivé. Ah oui, j'avais désactivé pas mal de bâtiments. Je les zappais. Pour que les gars se concentrent vraiment sur la nourriture et l'énergie. Donc, faut que je regarde ce que j'avais fait. Alors là, c'est sûr que je l'avais retiré. Tac, tac. Normalement, on est pas mal. Hein. Normalement, on est pas mal quand même là. On re-remplit nos accumulateurs, donc ça fait plaisir. Mais ouais, avoir un dôme ici, ça va être top. Il faudrait terraformer ici. Ça sera largement faisable. Mettre à plat. Et on pourra mettre un grand dôme là. Ou un dôme moyen. Les relier. Ça sera excellent. Je vais la poser là plutôt celle-ci. Bon, ça a l'air plutôt pas trop mal se passer. On a encore besoin de monde. Hein. Ici j'avais prévu des appartements. Alors il y a énormément de choses de prévues. Hein. J'ai prévu plein d'appartements ici. Ça fait même peut-être trop. On verra. Ils ont pas l'air de trop se plaindre pour le moment. Alors on s'est fait voler. Alors il y a des renégats qui nous ont volé un peu de ressources aussi. Un par un, donc ça va. Waouh, on les a consommés instantanément. On les a consommés instantanément. Je vais pas augmenter ça là par contre. Est-ce qu'ici ça vaudrait pas le coup? Ça mériterait un autre dôme ici. Hein. Ils sont un peu just là, vraiment le dôme de départ, je le trouve un peu just maintenant. Voyons voir. Je pense que ça c'est pas trop le moment. Opération secrète, est-ce que je peux recruter des colons? Ouais. Spécialiste, on va le faire et je vais essayer de récupérer des noms spécialistes après. Parce que là on a clairement besoin de monde. Ok. Bon, il y a encore de la place dans l'archéologie, etc. Donc c'est top. D'ailleurs il pourrait se dispatcher plutôt dans ce dôme-ci, mais bon. Ce que je voulais prévoir aussi également alors. Je pense pas. Ouais si, je vais peut-être pouvoir. Mais si c'est dans ces dômes là, ça serait bien. De toute façon je vais en rajouter d'autres ici. On va en avoir besoin, ça c'est clair. Mais il va falloir qu'on mette aussi de ce côté-ci peut-être des écoles et des universités, etc. Ici j'avais mis restaurant, ouais, j'avais mis le nécessaire quand même. Je vais peut-être rajouter les grands jardins là, de base. Alors, cette fusée. Voyons voir sur l'Europe. Ouais, non, ça c'est bon. Recruter des colons, ouais. Ouais, allez, je vais remettre des spécialistes quand même. Ça pourrait vraiment nous aider.
Il faut absolument que la bouffe ça envoie là, que ça envoie du très très lourd. Je vais mettre des autruches là, tiens. Et des cochons. Les vaches c'est assez long quand même. Ok, on en a recruté 6. Wow, j'ai déjà plus de polymère quoi. Bon, je vais augmenter tant pis les plages de travail là. Là c'était déjà fait. C'est beaucoup trop important. Il faut du monde, mais par contre faut que je fasse vraiment gaffe face à la bouffe quoi. Là c'est clair qu'il faut faire super gaffe à ça. Eux ils ont rien à faire du coup, ils ont tout récupéré. Nos drones s'emmerdent. C'est bien triste. Là c'est pareil, hein. Un dôme, un gros dôme, ça serait génial quoi. De toute façon, au fur et à mesure, j'espère qu'on va réussir à remplir. Waouh, 10! 10, c'est colossal. Très dangereux à recruter des colons. Voler des drones, ça m'intéresse bien. Ok, bon, on va se calmer. On va se calmer. Bon, l'herbe pousse bien ici aussi. Par contre, c'est dingue, hein, mais au niveau de la flotte là. Ouais, ça a augmenté, c'est grâce à l'atmosphère ça. Normalement, c'est 1 de base. Mais il en faudra encore plus que ça, quoi. C'est ça qui est hallucinant. On s'est fait voler de la bouffe, quoi. Hop. Voyons voir. Ok, pas encore assez de postulants. On va attendre. On est à combien là? Bientôt à 400, hein, c'est énorme. Bientôt 200 martiens, on est bientôt moite-moite. Sector scan. Colonists are departing. Alors, qui c'est qui se barre là? Des gars d'ici. Bah, pourtant, ça a l'air d'aller plutôt bien. Va falloir réfléchir, que je réfléchisse à comment setup ici. Parce que c'est clair que ça, on va l'exploiter. Hein. Mais ça va demander encore du monde. Faut que j'arrive à stabiliser population, production. Même si c'est quand même compliqué, je trouve. Il faudrait carrément un dôme avec que des populations. Mais pour les avoir, ça se passe pas comme ça non plus. Hein. Faut qu'on augmente ces productions-là aussi. Clairement. Ils en sont où là? Ouais. Pff, il manque carrément des métaux quoi. C'est dingue. Alors de ce côté-ci, normalement, ils exploitent. Je vais augmenter les plages là. Plage horaire. Ça devrait le faire. Une blague. Aïe aïe aïe. Oui, qu'ils viennent me construire ça. Non, je crois que c'était relié, mais en fait non, j'avais pas vu le picto. My bad. Moins 35, pourquoi? D'ailleurs, on va bientôt avoir épuisé ces stocks là. Hein. Et ouais. Ouais. Va falloir que j'ajoute des décharges là. Sinon les drones, ils ne vont pas me déblayer les extracteurs. Putain, ça fait dégueulasse, hein, mais bon. Vraiment, il me tarde qu'on puisse les exploiter ces trucs là parce que c'est vraiment moche. Je commence à en avoir partout quoi.
falloir qu'on débloque la techno, ça c'est clair. Waouh, du polymère encore, faudrait que j'en envoie. C'est dingue. C'est assez dingue. Bon, la bouffe ça tient, ça fait plaisir. Dès qu'il y a une fuite, mais la moindre, hein, comme ça, ou des câbles qui sont cassés, c'est extrêmement problématique. Ah, nouvelles anomalies planétaires. Nouvelle techno. Allez, on va envoyer. Ça, ça coûte pas grand chose. Ici, on a quoi? Ressources. On a un doseur, donc on va le faire. ouais, j'avais débloqué les technos aussi pour fabriquer les vaporisateurs d'humidité là. Comme on le voit, on en a vraiment trop besoin. Ça coûte cher quand même. Je vais en rajouter deux quand même. Il va falloir que je change quand même à exploiter. Ouais, ici c'est fait quand même. Hein. 2500, ça fait plaisir. Waouh, une nouvelle tempête de poussière. 18h. Alors attendez, parce que là, ça peut être extrêmement catastrophique. Si on n'a pas de polymère. Donc je vais cramer toutes nos thunes. Ouais, la bouffe ça devrait le faire. Ça devrait le faire quand même. Je peux pas envoyer plus en métaux. J'espère qu'elle va avoir le temps d'arriver. Encore des mauvaises récoltes. Ça c'est vraiment pas bon, hein, en plus hein, d'enchaîner ça. Ça va être délicat pendant un bon moment. Là il y a eu trop de tempêtes de poussière hein. C'est ouf hein, ce que j'ai pris. Entre les 2 heures où j'ai joué plus celle-là, c'est trop violent là, je trouve quand même. Là, dans 13 heures. Ah, il me faut plus de tours de détection là, en fait. Anomaly analyzed. A colonist has died. Resources are low. Je vais en rajouter deux, mais... 9h, ouais, c'est bon, ça va passer. D'où ils sortent cela? C'est parce que les productions sont relancées? Ça serait bien qu'ils viennent construire ça, un jour. Non, c'est la mission, c'est la mission. Pff, on a trouvé ce qu'il fallait, pile poil en ressources. Ouais, c'est l'anomalie planétaire, oui. J'avais pas vu, effectivement. En partance, mais c'est pas grave. Tu vas partir, de toute façon, t'es pas prêt de partir, mon petit gars. Alors attention, je m'en pose parce que là, hop, je vais la faire poser là. J'espère qu'elle va pas être trop longue. Allez, ça dégage tout ça. Il manque encore du monde, hein, comme on le voit là. Hein. Et on n'arrive pas à construire les bâtiments parce que on a tellement construit d'un coup que là, ça a coûté très cher en béton et en métal. Voilà, ça commence par une fuite. Ah, c'est bon, ils m'ont construit. On devrait être pas mal quand même là. Je comprends pas comment il y en a qui meurent. De mal à comprendre ça quand même des fois. Faut pas qu'on ait de problème de bouffe là. Elle dure combien de temps? 2 sols, bon ça devrait aller. Pff,
En réalité, c'est ouf, hein, mais. En termes de bouffe, là, c'est quand même pas mal ce que j'ai mis déjà. Écoutez, je vais rajouter même une ferme, hein, fongique, mais. Et là, le fait d'avoir perdu déjà deux fois deux récoltes, qu'est-ce qui s'est passé? C'est catastrophique, quoi. Très compliqué. Ok, je m'en pose, on s'arrête là pour cet épisode. Donc voilà, ça progresse bien, mais franchement, on est vraiment loin d'être tiré d'affaire. Faut absolument qu'on produise plus d'énergie, qu'on ait plus de gars. Va falloir stabiliser tout ça. Hein. Donc voilà, on va continuer comme ça. On se quitte ici, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à très vite pour la suite. Salut à tous!